Vous avez essayé de nous parler, nous vous remercions. Merci, au revoir. D'ailleurs. C'est un bon. Allez, c'est parti. Bon, ben, comme à l'accoutumée, Ami du Paranormal, bonsoir. Dani, Audrey, au caméscope. Ce soir, on est sur. On est dans un petit endroit, une ancienne usine à gravier concassée, de ce qu'on m'a dit. Et je crois qu'elle a tourné depuis 30 ans, 40 ans qu'elle a été fermée. De toute façon, bon, là, les photos seront forcément visibles. On va faire des photos tout à l'heure pour vous montrer. On va rentrer à l'intérieur, faire comme on fait d'habitude, voir un peu ce que ça donne, parce que moi une dernière fois j'avais capté un visage en faisant une photo full spectre, donc et ben, qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose, une entité qui peut hanter. On va voir ça, on va comme d'habitude faire des photos avec la VisorTech, deux caméras, infrarouge, prise de PVE classique, électromagnétique, voilà, je pense que ça ira. Donc on va démarrer, on va faire le tour de l'enceinte. Je vais poser la VisorTech à l'intérieur. Tu la prends à ce moment-là. Parce que ça monte à un moment donné. Il y a des escaliers, il y a plein de pièces. D'accord. Déjà, on va faire une petite reconnaissance que j'appelle moi au laser. En fait, je promets le laser. Donc, je explique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai, parce qu'il y en a qui ils se demandent pourquoi. En fait, avec le laser vert, ça permet soit d'effrayer des animaux éventuels, des chiens errants. Ou alors des gens qui sont des clochards ou des. Ou des jeunes. Ou des jeunes, justement. Parce qu'ils vont trouver ça bizarre, ils vont vouloir savoir qui c'est qui fait ça. C'est peut-être bête comme système, mais c'est efficace. Voilà. Donc j'ai tout dit, on va démarrer. Et alors. Allez, on prend ça. Allez, c'est pas. Sur le laser. Bien. Donc comme vous pouvez le constater, la face centrale du bâtiment. Pas mal de voitures ce soir, c'est normal, c'est vendredi soir.
Allez, c'est parti. On y va. Bien. Donc, nous voilà dans la première partie principale. Ici, comme vous pouvez le constater, très grand. Apparemment, c'était là où ils entreposaient des graviers, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est autre chose. Ce sont des conduits, un peu comme des silos. Ici que j'ai capté avec l'appareil photo full spectre un visage à ce niveau-là, là-bas. Tu vois assez bien, ok. Ouais. Ah ouais, tu vois le même. C'est quasiment pareil, impeccable. Comme quoi, toujours veiller à changer les piles, n'oubliez pas. Je pense qu'on va faire une première prise de contact ici. Parce que c'est bien sombre. Il y a un escalier qui monte tout à fait en haut du toit, mais il est dangereux. Ouais, j'ai vu ça. Je l'ai emprunté la première fois où je suis allé. C'est impressionnant. D'ailleurs, on va faire un petit tour juste en bas. Session PVE ici.
Désolée. Audrey, est-ce qu'un esprit nous entend? Pourrait-il répéter mon prénom, s'il vous plaît? Juste pour savoir si vous êtes présent ce jour. Pardon, j'ai dernier d'offre. Pouvez-vous manifester-vous pour nous savoir si ce lieu est tenté par votre présence? Avez-vous besoin d'être ici? Sur l'infrarouge, j'en vois en noir et blanc, tu vois. Regarde. Et quand j'ai levé les yeux, regarde. Je dis merde. Ouais. Je sens rien de particulier. Il y a des pièces de partout. On se parle de rien dans un endroit spécifique dans la chaîne. Grâce à nos boosters infrarouges, ça nous permettrait de voir les infrastructures. Les architectes prennent des photos donc.
Donc pour la petite histoire, c'est ici que j'ai capté avec l'appareil photo full spectre un visage. À ce niveau-là, là-bas. Tu vois, c'est bien. Ouais. Ah, tu vois le menu. C'est quasiment pas impeccable. Comme quoi, toujours veiller à changer les piles, n'oubliez pas. C'est assez résiduel.